Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir un nouvel appareil. Donc cette vidéo est sponsorisée par la marque Kozori, qui est une marque de four air fryer. Donc on va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien qui se trouve en description. Dans cette vidéo, nous allons donc faire des recettes ensemble et nous allons utiliser l'air fryer de la marque Kozori. Donc, ce qui est pas mal avec ce air fryer, c'est qu'il a deux compartiments. Donc, j'ai hâte de tester plusieurs recettes et vraiment, pour moi, le but d'un air fryer, simplicité, rapidité. Donc là, je suis pas en avance, il est déjà midi 3 et nous allons faire en première recette des frites et un poulet. J'arrête pas de voir sur internet des gens qui font directement cuire leur poulet dans le air fryer. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Puis après, on fera d'autres recettes, mais toujours des choses très très simples à faire et qui devraient aller très très vite. Donc je le déballe, je nettoie et on commence la recette. Alors, quand on ouvre le colis, en premier, on a les deux petites grilles à mettre dans les compartiments, je suppose, dans les deux compartiments. Ensuite, le petit mode d'emploi, donc très bien, donc c'est toujours pratique d'avoir un mode d'emploi. Donc je finis de tout déballer, donc j'enlève les étiquettes, les grilles qu'il y a à l'intérieur. Et une fois que tout déballé, je vais prendre le temps forcément de tout laver car j'ai hâte, hâte, hâte de l'utiliser et de le tester. La première recette, ça sera frites poulet, comme je vous l'ai dit. Donc là, je prends le coupe-frites, je fais les pommes de terre, je mets tout dans le saladier. Après, je n'aurai plus qu'à les rincer, les essuyer. Je mettrai un petit peu d'huile d'olive et du paprika. Et pour le poulet, alors je fais vraiment très simple. Donc, c'est-à-dire que je mets le poulet dans le air fryer. Et là, je suis étonnée comme tout, car il rentre. Ça va vraiment faire comme les vidéos que j'ai vues sur Internet. Je mets un tout petit morceau de beurre sur le dessus, un tout petit peu d'huile d'olive et du paprika, puis avec un pinceau, je vais étaler pour qu'il y en ait partout, pour que la peau soit bien croustillante. Et ça va bah, du coup à préparer, hein. Je veux dire, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment le minimum syndical, j'ai envie de dire. Donc je démarre. Alors, moi, j'enlève le préchauffage parce que je l'ai déjà fait chauffer. Donc, 200 degrés, 20 minutes pour mon poulet. Ensuite, je sélectionne le bac de droite que je vais mettre à 180 et je vais le mettre 15 minutes. Donc, c'est parfait. Donc, avant d'appuyer sur play, j'appuie sur Sync Finish. Parce que moi, je veux bien que ça se termine en même temps et j'appuie sur play. Et voilà, c'est parti. Je vous filme en direct, comme ça vous pouvez entendre le bruit du air fryer. Donc je le trouve moins bruyant que celui que j'avais avant. Et donc l'option Sync Finish, c'est-à-dire que peu importe si ce bac-là va durer 40 minutes, celui-là 3 minutes, ils vont faire pour que ça se termine en même temps. Là, vous voyez, ça y est, c'est synchronisé parce qu'ils vont se terminer en même temps. Donc, on a toujours les frites à droite. Si on veut jeter un petit coup d'œil, soit on ouvre le bac ou on rallume la lumière. Pareil pour le poulet. Hop, et voilà. Donc, dans 7 minutes, on est censé manger.
Le repas est terminé, les frites étaient délicieuses, le poulet très très bon, super bien cuit. Donc une fois que j'ai lancé la cuisson, j'ai regardé un petit peu les temps de cuisson. Donc le poulet c'était exactement 40 minutes et les frites c'était 20 minutes. Donc les deux se sont terminés en même temps et c'était très très bon. Le poulet était super bien cuit, j'étais étonnée. Donc moi j'avais laissé la grille sur le poulet comme ça, le jus on va dire était en dessous, j'ai pu en mettre un petit peu dans les assiettes. Et il y a une fonction que je vous montre, une fonction check, donc on peut choisir de la mettre ou de l'enlever. Donc ça c'est pour secouer, donc si on appuie sur ce bouton, ça veut dire que ça va sonner à mi-cuisson pour nous faire penser à secouer, pas besoin de mettre de minuteur. Je débarrasse ma cuisine. Donc je nettoie tout ce que j'ai fait pour ce midi. Je vais également du coup laver les deux bacs, voir si c'est facile à nettoyer ou pas. Donc là le temps est passé parce que pendant, on a mangé dans la salle à manger parce qu'on a regardé un film. Donc c'est le temps de sécher un petit peu, donc on va voir si c'est simple ou pas. Donc bon. Ensuite, nous allons préparer le goûter. Donc, j'ai mis du papier cuisson dans les deux bacs. Dans le premier bac, je vais mettre des croissants surgelés. Et dans le deuxième, j'ai préparé de la pâte à cookies. Donc, je vais mettre 4 cookies à l'intérieur. Donc, je fais ça tout simplement avec 2 cuillères. Je fais une petite boule. Et comme ça fera très bien l'affaire. En tout cas, je pense que ça sera largement suffisant. Vivement que ce soit prêt. Le goûter est prêt, j'ai juste remis en cuisson les cookies 2 minutes parce que moi j'aime quand ils sont vraiment bien cuits. Les croissants, j'ai laissé que les 10 minutes. Et donc le goûter est prêt en 10 minutes, c'est drôlement rapide. Sachant que normalement pour les croissants surgelés, il y a le temps de préchauffage du four 10 minutes et après il y a 20 minutes de cuisson. Donc ça fait vraiment gagner énormément de temps. Avant de faire une recette apéritive, je vais vous parler un petit peu plus de l'air fryer. Tout ce qui est un petit peu, on va dire, technique, qu'on ne voit pas forcément en vidéo. Déjà, la chose pour moi qui est la plus importante, c'est sa capacité. Parce que c'est comme tout, l'air fryer c'est bien, mais si on ne peut rien mettre dedans ou qu'il n'y en a pas assez pour juste se nourrir avec une famille de 4, ça serait vraiment pas utile. Alors, c'est un air fryer qui a donc 2 bacs, qui sont indépendants l'un de l'autre, comme vous avez vu pour la recette de ce midi, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire le même mode de cuisson, le même temps, la même température, c'est vraiment indépendant. Donc les deux bacs ensemble font 8,5 litres de capacité, donc c'est-à-dire que chaque bac, je vous laisse calculer, fait 4,25 litres. Donc je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment très très grand. Donc on peut voir au niveau de la main, et de toute façon, vous l'avez vu ce midi, un poulet entier est rentré, donc c'est vraiment que... on peut mettre vraiment énormément de choses à l'intérieur. Ensuite, je vous parle déjà, moi, des fonctionnalités, on va dire, qui sont importantes pour moi. Je ne dis pas que c'est les plus importantes pour tout le monde, parce que moi, personnellement, j'utilise que la fonction air fryer. Là, il y a d'autres modes de cuisson que je vais vous dire après. Et ce que j'adore, c'est un détail, mais c'est qu'on puisse, comme mon ancien, allumer les petites lumières pour voir l'intérieur des bacs. Je n'aime pas du tout les air fryers, ou même, bon, c'est pas pour les fours, mais l'air fryer où c'est vraiment opaque, on ne voit rien. Je ne sais pas pourquoi, alors que bon, bah finalement, est-ce que c'est réellement utile? Je ne sais pas, mais c'est un gadget qui pour moi est très important, c'est d'avoir la lumière et du coup de pouvoir visualiser l'intérieur, où c'est pas juste une porte fermée. Donc ça, c'est mon détail que j'adore. Là, encore une option que moi j'adore, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est la touche Sync Finish pour que les deux plats terminent en même temps, que ce soit pour le midi, pour le goûter. Comme on peut faire des modes de cuisson différents, des temps différents, des températures différentes, c'est vraiment indépendant, mais au moins on peut s'arranger pour que ça termine en même temps
Et c'est quand même plus pratique, on ne se déplace qu'une fois. Ensuite, donc là, version un peu plus technique qui, moi, entre guillemets, je ne vais pas me servir, je me connais. Mais c'est pratique de les avoir parce qu'on n'est pas tous pareils. C'est les différents modes de cuisson. Et ça, c'est important pour certaines personnes. Donc, on a bien sûr le mode de cuisson air fryer. Après, nous avons la rôtissoire. C'est ce que j'aurais pu utiliser, par exemple, pour faire cuire mon poulet. Mais c'est vrai que j'ai tellement l'habitude de n'avoir que ce mode de cuisson-là que du coup, je ne me suis pas posé la question. C'est 6 mois après, quand il fallait le mode d'emploi, qui me dit, bah, il y a un mode exprès pour le poulet. Donc, j'aurais pu m'en servir. Mais en tout cas, au air fryer, il était déjà très bon. Donc, je vois pas comment il aurait pu être meilleur. Donc, on a rôtissoire. Après, on a pour réchauffer. Donc, c'est soit réchauffer quelque chose. Et on peut également s'en servir si, par exemple, eh ben, on fait quelque chose et ce qu'on est en train de cuire, bah, c'est déjà terminé. Eh ben, on laisse surréchauffer. Comme ça fait un peu fonction maintien aux choses, qui est quand même pratique. Après, bac, c'est le four ordinaire. Grill, ça va être pour tout ce qui est barbecue, on va dire. Et dry, c'est pour déshydrater des aliments. Si, par exemple, des rondelles de pommes, ce genre de choses, ça peut toujours servir. Et voilà, donc après, c'est comme les touches que je vous avais montré, donc le préchauffage, donc ça préchauffe. Si vous voulez commencer la cuisson tout de suite, il y a un préchauffage de 2 minutes que vous pouvez laisser, comme ça c'est tout de suite à température. Mais bon, pour 2 minutes, moi j'avoue, je préfère l'enlever. Et la touche sec, comme je vous ai dit, qui veut dire se cuire, comme ça à mi-cuisson, oh, je prends pas le temps de respirer, je suis fatiguée. Comme ça à mi-cuisson, ça nous fait une petite sonnerie pour nous rappeler qu'il faut qu'on secoue notre panier. Alors honnêtement, à part les frites, je vois pas pourquoi ça peut nous servir. Ce fait de secouer, peut-être les nuggets, encore je ne me verrais pas secouer des nuggets dans mon panier. Donc secouer ici. Et donc voici, là j'ai dit un petit peu toutes ces fonctionnalités, sachant que je le répète, les deux paniers sont vraiment indépendants, mais on peut cho choisir aussi de les programmer en même temps. Et ça c'est la touche Sync Cook. Si on appuie sur cette touche, ça va prendre le relais de ce qu'on a programmé sur la première. Sur la deuxième, comme ça, pas besoin de reprogrammer si de toute façon on fait la même chose. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Petit détail quand même, c'est que là sur le dessus, on pourrait s'imaginer poser son sel, son poivre, enfin avoir un petit plan de travail supplémentaire. Non, il ne faut rien poser dessus. Voilà, je pense que là j'ai fait le tour. Simon, est-ce que tu vois autre chose à dire? On peut aussi utiliser un seul panier, mais pas obligé de faire les deux. Ah oui, Mais c'est vrai. voilà, Voilà, on après n'est à pas part obligé ça, non. d'utiliser les deux, tout à fait. Donc voilà, et là on va passer à une petite recette apéritive si quelqu'un qui vient alors que c'est pas prévu. Et comme ça, on peut préparer quand même quelque chose de rapide. Vous allez voir, c'est pas mal. Donc c'est vraiment très simple, c'est faire avec des wraps des petites chips pour tremper dans son guacamole. Alors moi j'ai toujours, enfin pratiquement toujours du guacamole à la maison parce que bah, les enfants non, je n'aime pas ça, mais Floriane adore ça et puis je trouve que c'est vite à faire, ça fait toujours plaisir. Donc pour les chips au guacamole, je mets un petit peu d'huile d'olive, du paprika. Alors honnêtement, mélanger avec les mains, je ne le fais pas avec les mains parce que d'habitude j'ai des gants que j'achète chez Action, vraiment qui ne coûtent rien et c'est pratique pour mélanger parce que là j'ai pas envie d'en avoir plein les doigts, donc je fais avec la cuillère. Mais je dois avouer qu'avec la cuillère c'est toujours un petit peu plus long. Mais bon, j'ai oublié de racheter des gants, c'est ma faute, je ne vais pas me plaindre. Donc je prends le temps de mélanger pour qu'il y ait un petit peu d'huile partout, alors pas trop hein. Parce que bah voilà, c'est juste l'air de dire que ce soit bien croustillant et que ça cuise correctement. Donc maintenant, je vais lancer la cuisson, donc juste un bac. Simplement vider les futurs chips de tortilla.
je le secoue rapidement. Alors, j'appuie sur play, je sélectionne, je mets la température à 180. Je mets 10 minutes. J'enlève le préchauffage. Oh, je trouve que ça chauffe tellement vite, ça sert à rien. Je laisse le bouton secouer tout simplement comme ça, mi-cuisson, ça me dira de secouer parce que là, en le faisant, je me dis que ça serait souvent intéressant de les secouer. Et puis du coup, j'appuie sur play, rien d'autre à prévoir. Donc pour moi, c'est bon, donc play. Au niveau de la recette, c'est terminé. Donc on se retrouve avec un apéritif vite fait, bien fait. Donc c'est très très bien, c'est le résultat que je voulais. Si vous avez un guacamole maison, c'est encore mieux. Et puis donc on a nos petites chips, voyez, de wrap. Donc c'est vraiment très bon, très pratique, très rapide. D'ailleurs, je vais en reprendre un petit peu avant d'appeler les enfants, parce que je sens que Florine, elle adore ça. Ça va partir très très vite. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup.